Alors, les Sauts des Tibères est un lieu légendaire à Capri. C'est un précipice de 300 mètres qui se situe dans l'ancien palais de l'empereur Tibère. Il semblerait que l'empereur jetait de ce précipice les amants qu'il n'avait plus envie de voir. C'est une histoire en fait qui se situe dans une série, une collection qui s'appelle Les Saisons meurtrières, dont la particularité est de mettre en scène une jeune femme moderne qui est une enquêtrice qui a une vie assez particulière, une sorte de double vie, très sérieuse dans son travail, avec une éthique très forte dans son travail, mais en fait avec une vie personnelle intime un peu complexe. Par exemple, elle a l'habitude, nous la retrouverons dans les premiers livres, elle a l'habitude de se transformer la nuit pour rencontrer des amants qu'elle ne connaît pas, qu'elle rencontre pour une seule fois. Dans ce huitième volet, hein, donc il y a des saisons, là nous sommes dans la huitième saison meurtrière, nous sommes à Capri, mais nous sommes aussi un peu dans toute l'Europe, parce que nous sommes sous les traces d'un serial killer qui parle à la première personne et qui nous fait entrer dans... peu à peu, de manière un peu soubreptiste et presque tordue, dans ce qui est sa manière d'appréhender ses crimes et qu'il vit comme une mission. Mais ce n'est pas seulement ça, en fait, c'est pour ça que les genres s'élargissent un peu, parce que nous sommes dans un thriller, mais en même temps, nous sommes aussi dans un polar et nous sommes aussi dans une espèce de saga familiale, parce qu'entre en scène aussi la famille de ce serial killer, qui est une famille mafieuse, d'un groupe criminel qui s'appelle la Camorra, qui est un groupe napolitain. Et comment dire, c'est une sorte de rencontre entre un Hannibal Lecter et le parrain, pour ainsi dire. Nous entrons dans une saga familiale où les relations sont très tordues, très complexes et les passions explosives. Et ben voilà, donc c'est une. Je pourrais dire tout simplement que c'est aussi un roman, une saga familiale. Deux de ces romans ont été adaptés déjà pour France 2, la télévision donc française. Les premiers, c'est Rouge Abattoir et ça s'appelle L'Hiver Rouge. Et les romans, donc l'inspecteur principal et les commissaires sont joués par Patrick Chesnay et les commissaires. Et nous avons aussi Jane Birkin dans la série. Le deuxième volet qui s'appelle Bleu Catacombe vient d'être terminé. Et il sera présenté en janvier et sera diffusé sur France 2 en 2014, janvier. Nous sommes en train d'adapter les troisièmes qui s'appellent Jaune Caravage, toujours avec Patrick Chesnay, donc qui joue le rôle du commissaire. Et en fait, la chose intéressante, c'est que tous les romans se déroulent à Rome, en Italie. Le dernier, c'est à Capri aussi, et en Europe, comme je l'ai dit. Mais en fait, les transpositions cinématographiques, enfin filmiques pour la télévision, se passent à Paris. Donc il y a aussi un passage, une métamorphose entre Rome et Paris. L'histoire et les personnages sont les mêmes, mais les lieux sont français.